suite, bonsoir tout le monde, très bonne semaine et puis bienvenue dans le journal sur télévision nationale d'Haïti. Mais grand titre pour Assoya. Yon di fe eklate aya dimanche 18 février nan marché du fort an Bala Villa nan zon bicentenaire. Di fe si la koze gros dégâts d'après machan victime yo ak autorité yo. D'après déclaration directe départemental l'Ouest Police Nationale la, c'est yon moun ki tap soudé nan zon marché a ki ta la cause di fe si la. Li annonce arrestation yon moun nan kad dossier sa. Commission interministérielle qui gagne mission pour accompagner marchands qui paient du commerce dans marché en fer intervenu sous ensemble disposition cap mettez en place pour accompagner marchands victimes yo membre commission participé jodi à une conférence les lundi de la presse ministère communication organisé 26 à 27 février kap vini la, Haïti a recevoi 29e réunion intersessionnelle CARICOM lan. D'après youn nan porte-parole la présidence lan, Tamara Orion, question capacité pour gérer catastrophe naturelle yo, a création yon fonds spécial pour permettre pays nan zon yo répondre après catastrophe yo, a pas discuté pendant 2 jours sa yo. Et puis Oxfam, ONG britannique, l'a confirmé. Roland Van Aureren t'a payé service jeune prostituée haïtien yo nan époque l'étape dirigée mission Oxfam en Haïti. Rapport s'il a révélé tout 3 autres employés Oxfam qui impliqués nan dossier ça. C'est titre ça yo a compilé l'autre information qu'a fait essentiel journal l'emploi soya. Zami téléspectateurs, n'a pas invité au rester branché, n'a pas tourné tout de suite à développement journal là. Tout le monde qui branchait téléjournal sous télévision nationale d'Haïti, très bonne semaine pour nous toutes dans la présentation à Soya, c'est Linela. N'a pas démarré tout de suite avec information yon en page météorologique là et c'est avec collaboratrice nous Nicole François Selom qui pral poté pour nous prévision météorologique yon Nicole. Bonsoir et bonne semaine. Salut à tous, après une longue semaine de pause, moi content retrouver nous pour porter pour nous prévision météo sur pays qui j'en condition voyez et bien nous allons apprendre ça avec différents images nous comme à l'accoutumée. Gen une zone de haute pression qui toujours chita au niveau Atlantique Nord qui kembe yon temps réellement stable sec au niveau toute région Caraïbes blanc et qui drainait un flux assez fort donc ça veut dire présence vent qui soufflait presque au niveau région donc Haïti tout li en bas influence même type de temps ça côté ces vent qui soufflait permet à ce que nous gontan qui réellement poussiéreux au niveau pays avec activité la pluie qui réellement ralentit et jodi a même pendant toute la semaine on a toujours gagné observation un temps qui sec au niveau département sans presque pas gagne activité la pluie du tout. Pour ça avec les gens qui sous côté lui c'est encore même style de temps, il y a un ciel qui plus ou moins dégagé avec présence quelques nuages au niveau tête monio, va souffler encore de manière modérée au niveau Port-au-Prince, pas gain trop chance pour gain la pluie qui t'a tombé sur Port-au-Prince avec région avoisinante yo et température là elle est toujours variée entre 30 jusqu'à 33 degrés Celsius sur quelques zones et minimal là encore dans la soirée, il descend entre 18 à 20 au niveau région donc par rapport à temps vent qui soufflait donc la bonne nuit qui ventilait, ça permet à ce que nuit la plus ou moins agréable côté température. Dans page maritime non, côte nord, golfe de la Gonave et puis côte sud pays, c'est toujours des vagues qui très haut par rapport à vent qui soufflait, ça permet de vagues monter entre 8 jusqu'à 10 pieds au niveau toute côte yo, même golfe de la Gonave pas tranquille, c'est jusqu'à 6 pieds donc pour raison ça, on a conseillé capitaine yo pour toujours très prudent les naviguer au niveau toute côte nous yo. Et avant nous aller dans la page astronomique, là, le soleil a couché sous Port-au-Prince jeudi à 5h51. Il y a pleuvé demain matin à 6h16. C'est un réel plaisir pour nous être ensemble pour l'information sérieuse. Madame, monsieur, merci pour attention nous. Bon après-midi, bonne soirée et à très bientôt.
février qu'a venu là. Haïti a recevoir 29e réunion intersessionnelle CARICOM. D'après une porte-parole présidentielle, Tamara Orion, question capacité pour gérer catastrophe naturelle yo, avec création yon fonds spécial pour permettre pays dans région 1 répondre après catastrophe yo. C'est pour le principal sujet qui a gagné pour débattre pendant 2 jours. Tamara orienté dans l'émission Mise au point sous télévision nationale d'Haïti matin. On suit en bout. 29e réunion intersessionnelle CARICOM, c'est un événement capable de dire à la population qui a plus d'importance. Parce que les 13 ou 15 pays CARICOM déjà confirmé participation, yo, donc on va gagner la caillou en Haïti aujourd'hui. Vice-président, ou pral gen des premiers ministres, ou pral gen des ministres des affaires étrangères qui pral vini nan en Haïti pour capable discuter sous des son thème qui intéressait tout pays dans région Caraïbes là, y compris nous-mêmes qui c'est capacité nous pour nous et faire face après une catastrophe naturelle. Qui plan d'assurance qui gagne? Est-ce que pas ta ka gon l'argent disponible pour nous-mêmes nous tout commencer et porter assistance à population nous le gagne après une catastrophe naturelle. Donc c'est un événement qui gagne plus d'importance pour nous parce que c'est nous-mêmes qui a présidé CARICOM, gagné plusieurs et chefs chef de gouvernement qui a commencé à venir d'ici fin et semaine ça à bientôt 24 février visite président Bahamien qui a venir faire une visite et dans pays là bien pour discuter avec homologue li président Jovenel Moïse côté pour gagner pour discuter sur commerce et également tout question et migration donc discussion pour le fait lundi 26 et mardi 27 et en dans pays c'est en discussion sous catastrophe naturelle parce que ça yo c'est des problèmes qui côté faut ou gain capacité pour faire face après à yo et capacité tout pour réduire quantité dégâts que pral faire. Donc c'est un événement côté d'une part qui pral ba nous visibilité en plus qui pral faire nous yo pays en l'autre jour parce que l'on pays pral héberger pendant 3-4 jours et des dignitaires comme ça, ça montre que nous-mêmes pas bon ici, nous sommes peuple qui chaleureux, nous sommes peuple qui accueillant, nous conjoint que nous pral ouais moun sa yo et c'est une belle activité. Et je crois que dans dimanche 25 de la soirée, il y a bien une dîner qui a fait en l'honneur tout le monde qui a venu, et madame et vice-président, madame premier et ministre, madame ambassadeur, tout bureau première dame, a une activité parallèle pour eux. Et dans lundi, session a ouvert côté discussion, il y a le fait entre tout pays. Yo, et dans mardi, après toute discussion finie, dans fin activité, après gain en conférence pour la presse qui va le faire d'une part avec le président Jovenel Moïse qui c'est lui même qui a assuré présidence CARICOM, a gain tout vice-président, secrétaire général CARICOM nan, et a gain tout pays Jamaïque, représentant pays Jamaïque nan, puisque après Haïti c'est Jamaïque qui va le gain pour lui assurer et présidence tournante CARICOM nan. Et oui, un point qui domine l'actualité encore, c'est dix faits qui éclataient hier dimanche 18 février dans le marché du port en bas la villa dans la zone bicentenaire. Dix faits ça a causé gros dégâts d'après marchand de victimes et autorité. Esaïe Aurelius a présenté nous un compte rendu en suivre. L'été environ midi comme ça, les dix faits ça a été commencé pour les marchés selon quelques témoins. Difea qui pas arrivé contrôler tout de suite ravagé avec flamme yon parti dans local marché ya ak marchandise qui était là yon action marchand victime yo dénoncé puis souhaité responsable yo prend disposition pour empêcher le répéter. Nous pas ka encore mes amis, nous pas Difea ça vous journaliste fini et pour télévision fini pour nous vous la faire constat là. Nous pas capable encore chaque jour nous go Difea encore nous pas connait pour qui ça c'est ça nous table dit ouais. Est-ce que concerné a dit un mot dans bagage ça parce que chaque jour nous différent dans quoi nous c'est pas chose l'état non mais nous l'argent bon et tendez nous tendez dans radio marché apprend différent nous obligé quitter caï nous vinn là chaque côté pour nous passer l'embarras là on pas veut ouvrir nous passer actuellement nous obligé venir nous pas connait ça met différent. Magistrat Port-au-Prince là Yuri Chevry qui te rendre sous place fait connait l'hypoco déterminé côté différent a sorti travail pour supporter victime yo c'est première option d'après magistrat Chevry qui souhaitait la police avec la justice faire lumière. Il y a une réaction qui part trop département à collègue Likafou,
Jude Edouard Pierre, qui sous Bopal, souhaitait gen chita qui fait pour créer un corps bien solide. Nous allons chita avec eux, nous allons conduire, nous allons faire canal là pour rejoindre l'État central là, tout pour aider, pour remettre eux sous pied, pour nous perdre. Et nous allons faire tout ça qu'on fait pour nous aider à recommencer le travail. Je ne sais pas qu'on a raison du fait, ni première ni deuxième. Non. Seul ça m'a dit, je suis sûr que ce n'est pas fatracté pour les premiers marchés parce que je suis parmi trois personnes qui arrivent avant eux. Mais c'est la police pour mener l'investigation. La police déjà là. Il y a des gens pour le premier marché qui ont déjà interpellé. Enquête a commencé. Et nous attendons la police pour aller. Nous-mêmes, magistrats, nous avons comme information et qui décision nous prend sur ce propriétaire pour nous déclarer urgence pompier et bien pour l'année 2018 là parce que pas possible pour qu'il y ait autant d'investissements dans le pays à qui fait et que pas gagner une structure assez performante opérationnelle en temps et lieu pour sauvegarder bien et vie mon pays à travers son service pompier opérationnel. Pour sénateur Patrice Dumont, c'est face au marché administré qui souvent la cause tête chargée ça y parlementaire a encouragé chaque acteur qui concerné dans question gestion marché avec sécurité, prend responsabilité. Sauf la sécurité. Si vous parlez avec magistrat, il y a des préventions pour qui gagne. Et prévention, il doit être faite entre les gens qui sont responsables locaux et les gens qui sont responsables nationaux. C'est sécurité. Ensuite, si c'est bandit, c'est bon. Moi, en vérité, c'est bon, bah, équipe difficile. Parce que depuis que sécurité a besoin de bandit. Et puisque bah, elle a répété comme ça, il n'est pas capable de se négliger seulement quand tu fais prendre s'arrêter. Et si c'est négligence qui t'a fait ça, gagner des mesures pour qu'il prenne pour que marcher, c'est mon côté libre, côté n'importe qui fait marcher, parce que vous voulez 4 personnes, 5 personnes, 10 personnes, après ça retourne 3 000. C'est du bon monde plus qu'on est sous nos marchés millions. C'est le deuxième marché qui boule, dans mon espace, il y a une dizaine de jours, n'importe où prince. Toujours dans le sujet ça, Sanon Michel Louis, c'est non présumé moun qui t'a la cause d'y fait ça éclater dans marché million à dimanche là. D'après informations qui permettent la police de prioriser thèse accident. Ces déclarations directeur départemental l'Ouest PNH là, Berson Soljour. DDO1 dit qu'il souhaitait PNH dans tête collée avec l'autre instance concernée yo. Bay population en formation sous comportement et réaction yo doit gagner le gain incendie. La précisé dans micro d'Aline Doriska et Wilbridge Moïse. Sous cas du feu qui prend hier dimanche. Donc premier élément d'information que nous gagnons yo fait croire est à prioriser la thèse accidentelle. C'est à cap yon départ de feu a commencé à partir de un boss qui tape soudé et c'est Sanon Michel Louis qui fait en 1958 qui est originaire de Jacmel qui tape soudé dans shop Madame Pouchon qui est situé au numéro 61 de la route du quai. Donc ça nous clairement nous identifier, nous avons des informations et la police dans niveau direction départementale l'Ouest précisément sous commissaire de Bicentenaire procéder à interpellation ligne et encore une fois DCPJ comme mission que la loi a conféré li terrani sous les lieux et nous remettre li et prévenu ça. Donc actuellement enquête là la continue par la DCPJ mais comme responsable de l'Ouest, nous déjà à penser à garder avec autorité qui disposition qui capable prendre pour éviter de pareil cas à répéter. Mais nous connaissons nous dans le pays d'Haïti, nous sommes un pays qui n'est pas riche parce que ça. Donc, un paquet de priorités, santé, éducation, etc. Mais ça tout aussi important. Donc, nous-mêmes, nous avons une chance, nous avons dit, faire des formations dans le cadre de prévention incendie. Nous avons gardé avec autorités responsables, supérieures chez nous, pour nous voir comment nous sommes capables de prévenir, former la population, pour nous capables d'intervenir, pour nous capables d'éviter que du fait capable de propager dans des proportions qui permettent que nous ayons pas de matériel. Heureusement, nous n'avons pas de vie humaine. Nous avons enchaîné ensemble avec le président de la Chambre des députés, hein, Gary Baudot, qui encourageait la justice et la police pour prendre responsabilité dans le dossier marché Kaboulé dans la région métropolitaine. Député Delma qui dit qu'il comprend la souffrance marchand.
mande gouvernement sécuriser marché yo pour éviter zaksila yo reproduit pendant li souhaiter gouvernement accompagner sinistré yo qui nan difficulté. La di nou plus nan micro Fedner confident ak Moïse Wilbridge. Faut que autorité municipal yo redoubler d'efforts pour capable sécuriser marché yo. Donc marché yo yo pas sous compte gouvernement central là, yo pas sous compte pouvoir législatif là. Donc moi pense en pile fois et mairie yo toujours plein que et dans question fonds communaux, fonds collectivité, gon ensemble de problèmes qui posé, mais là yo gen occasion pour yo prendre responsabilité yo pour yo capable sécuriser marché yo parce que m'a regardé ça qui passé là dans marché en fer là encore hier tout. Il y a un pile effort fait là pour nous être capables d'éteindre du feu ça. Donc ça, c'est un débat qui est récurrent dans le pays. Donc il faut commencer à dire nous tous qui côté nous aller comme société. Donc pour nous doter le pays de non seulement un service pompier qui est là, qui côté nous, qui bien équipé, qui a des matériels, qui a des gens qui prennent entraînement pour ça, qui a des bouches d'incendie, tout ça, qui est disponible pour nous capables de joindre l'eau pour éteindre du feu ça. Mais c'est résoudre le problème dans tout en amont. Donc, il est inconcevable tout en dans le pays. Question marché, son bail qui gère, comme c'est Mdazo, de manière politique, qui mérite là, qui directeur marché, est-ce qu'il prêt? Des fois, c'est des gens, et ça va nouvelle pour personne. C'est des gens qui ont des amis, mais des fois, qui ont fait la loi dans le marché. Donc, même pas ces autorités municipales, il faut prendre responsabilité. La police nationale, il faut prendre responsabilité. Il est inconcevable, même pour balayer dans le pays, il y a regardé qui sa président a dit, sa président sénat a dit, sa président chambre des députés a dit. Donc, nous vivons là, dans le pays, à chaque monde qui a une responsabilité, il faut qu'il prenne. Dans l'occasion 33e conférence lundi de la presse, ministère communication recevoir lundi 19 février à commission interministérielle qui gagne mission pour accompagner marchands qui perdent du commerce dans marché en fer là. Même commission en profiter parler sous ensemble disposition yo mette en place pour accompagner marchands victimes yo. En suivant compte rendu Rachel Saint-Fort avec Laurent Dorly Jean-Jacques. Dresser liste marchand victime yo nan l'idée pour bay au moyen l'argent ka permettre yo faire face à responsabilité yo c'est un objectif commission interministérielle là qui gain pour accompagner marchand qui perdit marchandise yo nan di fait qui éclaté dans marché en fer commission ça qui gain la dedans représentant ministère commerce et industrie ministère affaires sociales et travail office national assurance vieillesse caisse assistance sociale ministère conditions femmes et droits femmes a intervenir dans deux niveaux. Intervention nous l'a fait à deux niveaux, au niveau conjoncturel et au niveau structurel. Au niveau conjoncturel, une fois que nous fin fait que nous commencer avec recensement mais l'islam pas marchand victime yo li pas exhaustive, n'a gain pour ba ou allocation. Et en même temps, au niveau du ministère du Commerce, gon brigade qui sur les lieux, qui au niveau marché, qui a fait ou évaluation, pour nous déterminer niveau pertlan et pour nous capable bah, au bilan chiffré de pertlan. Et sur cette base, une fois que nous fin fait bilan ça, nous sommes capables d'accompagner machin ça, qui c'est des petits, qui c'est des micro-entrepreneurs, et pour nous, aider au échafauder sa relé ou plan d'affaires et référer au à aux institutions financières de la place telles que FDI ou bien ONA pour yo capable joindre ou aide suffisante pour yo capable reprendre activité yo. Ministère Affaires sociales nous mettait tout en branle depuis le président a lancé commission hein. Tout yon staff pour aller kounia joindre qui possibilité pour nous gagner au moins moun ki victime yo marchand yo femme kon garçon pour nous ka gagner tout nifyo avec carte d'identification nationale parce que c'est l'état noyé qui jan pour nous bayo assistance c'est pour nous ka identifier et identifier en tant que citoyen de ce fait nous joignent des listes qui donc gagne Digicel que nous connaît qui gagne une liste exhaustive qui gagne environ 542 marchand mais liste Digicel là malheureusement n'y pas gagne NIF avec SIN alors c'est comme ça équipe technique nous de concert avec équipe technique condition féminine et ministère commerce là et nous
avec des marchands que nous connais qui perdu des marchandises yo. Ça veut dire en contact yon ak l'autre, nous commencer recenser en pile marchand avec Nifio Signo pour à partir de l'ONA, à partir de CAS pour nos cas rapidement bayo en certaine allocation. Responsable ONA ak CAS expliquer yo pare pour Joel Payo pour accompagner et puis porter assistance ba marchand yo. L'ONA dans cadre ça l'a joué lui comme institution et que nous pensons que Jean ministre au début ça fait tout le monde mal parce que en majeure partie c'est femmes et nous connaît que l'ONA il penchait en pile sous femmes yo sous ces marchands yo à travers programme ONA femmes là donc nous censés nous interpeller et ça fait nous vraiment mal jusqu'aux os. Et nous pensons participer et n'a participé selon instruction gouvernement et même commission. Nous-mêmes dans CAS, nous avons une rubrique qui c'est œuvre sociale. Ça fait moi indiquer rubrique là, c'est pour m'indiquer, c'est pour me capable souligner que intervention que nous allons faire pas déranger bénéficiaire nous, allocataire mensuel là. Allocataire mensuel yo a toujours joindre frais yo correctement. Li pas déranger employé yo. Employé yo a joindre salaire correctement. C'est dans la rubrique œuvre sociale là, côté que c'est un corps qui est disponible pour nous porter assistance nous by tout le monde qui en a besoin. Et déjà, le ministre des Affaires sociales là, autant de fois que lui instruit nous, lui voit et lui sur banon, nous même n'a pas échec. Même commission dit, il a mobilisé, il a travaillé pour porter réponse à la situation pendant qu'il a remercié marchand qui collaborait. Dans l'occasion 33e conférence lundi de la presse, l'an toujours, ministre communication femme ak droit femme nan, Unide Innocent, t'a exprimé solidarité ak femme yo qui perdu commercio nan di fait qui t'a éclaté nan marché en fait dans la nuit 12 ak rivé 13 février 2018 lan. Ministre Unide Innocent fait connaître commission ap travail sur une liste partielle qui gagne environ 500 machines. D'après ça, lui expliquer, il a rencontré différents secteurs et associations machines victimes machées en fait pour rejoindre une liste fiable qui permet la commission puis bien accompagner machines yo. L'étudiant micro Rachel Saint-Fort avec le Lord Orly Jean-Jacques. Gain amenons une liste qui gagne environ 500 moun la donne. Liste ça que nous gagnons, c'est une liste partielle, c'est pas une liste définitive. J'en dis là en dans marché an te gen trois catégories de moun. Gen moun ki te ap vann en dans marché an ki entrepose marchandise yo, gen moun ki t'ap vann en dehors marché an mais ki le marché pral fermé yo depose marchandise yo en dans tout. Et gen l'autre catégorie de moun ki te gen des conteneurs dehors an que yo mette marchandise yo là-dedans. Conteneur brûlé en dans marché brûlé en pile moun perdu. Journée jodi an nous dit que pour pas gen injustice, liste sa yo que nous gen nan men nou, nous pral faire yon comparaison parce que équipe que nous gen souterrain, les agi, y a travail non seulement sous liste que Digicel avec directrice marché en ba nous, mais tout n'a rencontré des moun qui en dehors de marché. D'ailleurs, nous réunions par secteur. Ça veut dire gen moun qui t'a vendre cheveux, gen moun qui t'a vendre produits cosmétiques, gen moun qui t'a vendre produits alimentaires, gen moun qui t'a vendre des matériels électroniques. Et en même temps tout, nous recevoir matin yon association qui réunit sous association des marchands victimes de marché Hippolyte. Tout le monde sa yo, y a banon liste, nous prenons nifio, nous prenons numéro téléphone yo, et brigade nous gagne qui sous le terrain, qui sous marché, après les moun yo, après justifier place côté que moun yo chita, ok, et de voisins que yo te gagne bon côté yo, n'a consulté autour pour que liste sa nous gagne capable, on liste fiable pour pas gagne des autres la donne, pour nous cap agir la donne sous lit, sans fausse côté, sans injustice. Et puis, président commission éthique et anticorruption dans Sénat, sénateur Youri Latortue, réagit sous publication dans le journal Le Moniteur, résolution Sénat est adoptée semaine passée pour demander qu'au supérieur des comptes à contentieux administratif enquêter sous dépenses fonds Petro-Caribéa depuis l'année 2008 pour arriver 2016. D'après parlementaire Latibonitlan, dossier si là pas fini, commission éthique l'a dirigé en pral continuer garder comment l'agent fond si là t'est dépensé. On suit. Ça étonne puisque si au monde justement t'est concerné dans dossier, moi crois que
eh bien, c'est lumière qui pour faite. Ce n'est pas rejeté pour rejeté le dossier, hein, parce qu'il y a un problème de forme. C'est lumière qui pour faite. Et c'est là ça nous vient, ouais. Il faut que la bataille continue, parce que tout le monde qui est content que rejeté le dossier, hein, soit pour la forme ou bien pour la majorité de Michel, a dit qu'on est dans le fond, il y a des barrières à reprocher. Donc, dans ce sens, ça, moi, t'as dit que séance ça nous t'es condamné pour la forme, puisque séance là nous connaît que il était annoncé pour mardi, il fait jeudi et commissaire au pas là. Donc gain en pile dérive, nous croyons que nous t'ai déjà dit au niveau séance là. Mais au niveau de fond, justement, dossier Petro Caribéa, le il était lancé et que moi t'ai lancé enquête là, m'a dit tout le monde que année nous t'ai lancé là, t'ai gain président cour des comptes là qui t'ai gain équipe qui tape travail sous Petro-Caribéa, dans BMPAD, et président te mette en contact avec l'équipe ça. Et tout travail que m'te fait pendant l'année, c'est avec l'équipe Cour des comptes là. Donc je dis à Cour des comptes déjà lui-même, et travaille sous dossier ça. Et tout rapport que nous te baillons, il était parti de éléments communs que commissaire. Que c'est peut-être on perd de temps. C'est peut-être on dilatoire, mais les mêmes documents que nous avons utilisés, ces documents que le cours des comptes a gagné en commission qui était dans BMPAD, qui tape travail, et sur le Petro-Caribé de 2008 à 2016. Donc, rapport cours des comptes 2013-2014, 2014-2015, c'est sur le même document, d'ailleurs, rapport que le cours des comptes a adressé à Sénat, il a gagné les mêmes éléments encore là-dedans. Donc, c'est pour nous dire tout le monde. Quand on dit la droit pour dossier à prendre du temps, mais dossier à liguer tout élément qu'il a et dossier ça yo cour des comptes qui a réagi sous directeur général pour qu'on arrête des bœufs de quitus, mais Sénat toujours réagi sur tout ancien ministre et tribunaux de droit commun et tout. Donc moi quoi que je dis à bataille là la continuer. Et puis, nous avons enchaîné ensemble avec président de chambre députée hein, Gary Bodo qui confirmait Bureau Chambre député hein, recevoir une correspondance yon groupe député sien pour mander bureau à fixer une date pour interpeller ministre justice lan et Edi Fortuné. D'après député Bodo, c'est conférence président yo kap gen pour décider sous question si la. L'abdi nous plus dans micro Fédéral confident ak Moïse Wilbridge. Procédure yo respectée. Donc il y a effectivement une lettre qui a été acheminée auprès du bureau pour demander interpellation du ministre de la Justice. Là. Mais ça aurait été mieux, selon les coutumes, que les députés aient fait ça au cours d'une séance. Mais bon, malheureusement, c'est écrit ou écrit. La Constitution, son article 222, bon, c'est clair. Et cette lettre sera acheminée dès cet après-midi au niveau de la conférence des présidents pour que nous fixions date ou séance interpellation. On est noté dans le carnaval, il y a une activité culturelle dans le pays, et il y a une activité tout professionnelle. Pas oublier que dans le week-end, la Chambre des députés fait une séance pendant le carnaval, là, nous faisons un atelier, une séance de travail qui dure pratiquement 4 jours pour que un ensemble de projets de loi exécutif là, nous dans la dernière session, dans l'agenda législatif et commune fait pour l'année 2017 là qui pas fin voter donc noté statut sur yo donc semaine ça bien en pile projet de loi nous va rien n'a voter pendant toute semaine là donc c'est à la conférence des présidents de décider qui l'heure y a metté et on date pour que ministre justice là réponde avec interpellation donc la constitution est claire donc nous sommes tenus et pour nous respecter la loi donc moi m'a aucune opinion sur la question. Donc, dès qu'il y a interpellation, il y a interpellateur. Donc, il y a regardé. La Constitution a besoin de 60 députés pour interpeller un ministre pour capable de une motion de censure. Donc, nous allons regarder comment ça a déroulé. Mais nous-mêmes, quant à nous, au niveau du bureau, nous saisissons deux questions. Et seul ça nous avons faire, c'est soumettre la conférence des présidents pour que nous fixions date. Donc, nous n'avons aucune opinion. S'il a tombé, s'il n'a pas tombé, ce n'est pas travail par nous. Nous sommes le président de la Chambre, nous au-dessus de la mêlée. Donc, nous allons regarder pour nous.
Prochain point que n'a pas abordé, c'est avec délégué départemental Niplan, Guivard Labbé, qui fait qu'on est pendant passage caravane changement dans la région Nip, gain en pile travail qui est déjà réalisé. Guivard Labbé félicité président Jovenel Moïse pour matériel qui déjà joint direction départementale TPTC qui prend dans service population. Délégué départemental Niplan, quoi, grâce à équipement Sayo, caravane l'empral continue. Bien déroulé, on suive. C'est un gouvernement qui a travaillé, c'est un président qui a fait promesse et c'est un président qui a transformé, converti promesse en action. Il est venu avec ça, il a promis et même plus pour permettre que lui aider nous sortir dans sa nouille. Nous connaissons un président qui a travaillé pour faire interconnexion communale, départementale, qui pour permettre petits paysans qui n'ont pas reculé, capables de vivre. Jean tout le monde cap vivre et faire petit choual dans n'importe dans plus belle l'école dans plus grand l'école parce que nous connaissons un monde qui a vivre dans situation non point reculé donc parfois c'est à même le sol et si mon yoshita pas même gain couverture côté à l'école pour qui ça parce que pas gain moyen de transportation pas gain infrastructure routière pour tout le monde soit capable de déplacer mais jodia avec caravane changement et nous nous en pile percé grand en fait. Je ne connais pas ce qu'on est et Baradère. Il a parlé de Fontortion, un côté qui n'a pas de route du tout. Mais je dis, il prend quelques minutes pour que je sorte de Fontortion pour descendre dans le centre-ville Baradère. Hier, moi j'étais Baradère, moi-même personnellement. Je regarde le parcours Baradère avec Cavaillon. Donc, il prend moins que une heure de temps pour me sortir Baradère, pour me arriver dans le centre-ville Cavaillon. Donc, c'est pour me dire que ça, c'est un espoir réel. Ce n'est pas un rêve qui a fort dormi. C'est un monde qui vient travailler, qui vient poser des actions concrètes qui pour sortir population nipoise et population dans chaque département. Yo, parce que Nip est dans tout département. Yo, et nous sommes capables d'essayer. C'est tout le monde qui a loué l'effort gouvernemental, qui a loué l'effort président Jovenel avec tout le gouvernement l'a fait pour permettre que chaque département, yo, chaque direction départementale travaux publics, yo bénéficie des engins lourds qui pour permettre que non seulement yo utilisé yo pour nettoyer, pour propter, mais aussi pour yo entrer dans la caravane pour faire sa présidente et pour mettre peuple là. Il pral connecter yo pour le bayo possibilité pour denrer yo qu'arriver pour petit yo ka sorti à l'école pour moun ki malade ki habitué pote sou branca yo gen moyen de transportation pour yo sorti dans coin sa yo. Nous sommes fait un bel rallye dans premier parti journal là moment arrivé pour nous prendre yon pause rete branché n'ap toune. On a démarré avec plusieurs commissariats police dans la région métropolitaine Port-au-Prince qui démarré avec processus enregistrement taxi motocyclette. Plusieurs chauffeurs moto déjà bénéficié yon gilet avec yon casque. Chauffeur Sayo applaudi initiative Sila. Paki Sainte-Croix avec Michel Joseph a présenté nous yon reportage. Chauffeur taxi moto sa yo ki bénéficie yon gilet, yon casque ak yon numéro pour identifier yo gratis a permettre service circulation mette plus contrôle sur trafic moto a et puis régulariser secteur sa. Chauffeur applaudi initiative sa a, yo pense ka permettre passager yo gagne plus confiance le yo monte yon moto si tout exact méchanceté l'autre chauffeur qu'on habitué faire sur moto yo. Jean Ofel la yo prend et en point tout ni main gauche ou ni main droite tout l'index. Après ça, yo fait l'autre processus, yo mande deux personnes de référence avec numéro de téléphone si jamais que t'as un problème pour être capable d'utiliser relé mono quel que soit gens ça est là, t'es pour gain problème, y a aide. Par exemple, si pas ou t'as fait un accident, l'état prend numéro ça soua, là l'enregistre commissariat, lui supposé ouais, non seulement moun ou t'es bail comme deux personnes de référence yo à tout numéro de téléphone yo. Il y a carré les gens qui se parent pour dire ou fait accident ou dans tel l'hôpital et au même tout yo même yo vini dans l'hôpital là pour capable protester si papier moto a correct et bien permis correct
et puis dans le film, ils ont enregistré ni moto, ils ont enregistré moto, ils ont enregistré même, ils ont enregistré gilet. Après ça, c'est gratis. C'est vraiment important parce que l'État est doué gilet avec ça. Parce que dans tout le pays, il y a domaine. Tout le monde est tout le monde est l'état de Bayon. Et si l'acheter moto, nous légaliser, nous allons faire permis, nous faire assurance, mais l'état supposé nous encourager nous-mêmes, parce que l'état n'est pas dans la moto. Un autre groupe chauffeur taxi moto souhaite aux autorités concernées passer l'ordre formel pour exiger chauffeur moto, pareil, entrer dans la même logique là, qui visait mettre structure dans ce secteur. Parce que si on a moto, l'état m'a de bouger gilet, bouger plaque, bouger casse, et nous avons tout cas son good. Son goud yo banoul mais pour qui sont va le mettre sur vous gen nèg moto prendre yo serrer la caillou parce que pas bon mais pour qui ça nous toute nèg moto là on te dit y a bay gilet pour cop nous toute faire manifestation nous te dit nous va parler d'elle mais qu'on est banoul gratis on a d'elle gen nèg moto qui prendre qui serrer qui va même mettre même y a reler nous machine pas d'ap et gen nèg moto même qu'après le machine pas parler machine là pour là est-ce que gen gilet sur moi et yo gen yo pas le mettre yo coupable. Ça fait moi gen gilet parce que la police a décidé bay gilet. Plus qu'elle décide bay gilet, nous-mêmes nous prenons ça au sérieux naide gilet. Mais ça me donne pour la police prendre décision sévère. Gen un monsieur qui gen gilet, yo pa vle metil. C'est pour yo passer dans station yo pour yo joindre moun qui gen gilet, moun qui pas gen. Si moi-même gagne le metil. L'autre là supposé mettre pas là tout. Après ça m'a senti me blaser parce que c'est pas rad m'bagay pour me mettre. Il m'a enregistré comme ça droit dans le système là. Ou a privé dans commissariat, ou a jeune enregistré. Non seulement yo bay nous un petit cap. Nous enregistré, ou a jeune non nous prénom, adresse tout bay là dedans. Yo prend prête nous tout bay. C'est plateforme taxi moto d'Haïti en collaboration avec commissariat police avec mairie qui prend initiative pour régulariser secteur ça. Autorité police nationale yo mandé pour tout chauffeur taxi moto une façon pour yo pas tomber en bas section la loi. Merci Sainte-Croix ak Michaud. Responsable Centre National Équipement CNE mobilisé plusieurs techniciens ak matériel lundi 19 février dans l'idée pour déblayer espace marché du Portlan tout près d'Ouana qui boulait, j'en connais le fait dimanche 18 février. Quinton lui souhaitait pour la police et la justice faire travail comme ça doit dans le cadre d'enquête qui déjà l'ouvrit sous question du Fessila. On suive un extrait. Le CNE, c'est le Centre National des Équipements. Le fait que son institution qui gagne équipement là dans l'île, même si on est présent dans la caravane un peu partout à travers le pays, on travaille, eh bien, CNE a été une mission pour que nous présents tout côté le devoir de servir, faire appel avec nous. Ça fait deux marchés qui boulaient dans plus dans moins qu'une semaine. Et nous connaissons deux espaces ça, c'est deux espaces côté que peuple haïtien, côté que petit peuple là, nous capable dit et fait activité économique, fait roulement économique et c'est ça qui permet de payer l'école petite, payer le loyer, la justice élève une nation. Et il faut gagner responsabilité qui prend de la police nationale. Il faut gagner responsabilité qui prend de la justice pour que nous soyons capables effectivement d'identifier, identifier raison valable qui fait marcher nous à pied débrûler. Toujours en question ça, bon côté Payo, magistrat Port-au-Prince-Lan, Yuri Chevry, ak délégué départemental l'Ouest-Lan, Joseph-Pierre Richard Duplan, déploré du feu qui prend dans le marché du port, surtout gen yon moun qui mourit. Délégué Duplan fait connait sous question du feu si la police a questionné plusieurs moun qui suspecte dans Zaksa. Magistrat Chevry promet pour renforcer sécurité dans le marché yon façon pour éviter Zak. Il perd surtout financier et on perd de vie tout. Et c'est que son gros perte non seulement pour commune mais pour pays en général parce que ça sont tous les deux marchés, ça c'est des deux gros marchés. C'est côté en pile l'argent brassé chaque jour
en pile monde c'est de à partir de marché ça au vivre son gros perte pour ni commune dans ni pays. Moi présent CNE là, on va expliquer nous pour qui ça? C'est présence et tout équipement qui va permettre que on démolit partie marché qui boule là pour pas gérer sécurité reste monde qui vend dans marché là pour nous pas permettre l'autre accident arriver à partir de et marché ça qui pas solide encore, n'a mettre la terre, n'a démoli les bin la retirer en blé et tout ça pour nous permettre que non seulement que douane sécuriser tête li et puis pour nous garder qui ça nous va faire dans le futur. Il y a si du feu qui est en bas qui était sur le service pompier là jeudi là n'a pas essayer nous pas le craser et structurant de façon que nous ca bien arroser à terre que et danger ça qui était présenté là qui a complètement terminé avec. Parce que pas oublier mon yo c'est équipe petite machine qui prend gros point et point pas bay gros bénéfice, le bénéfice yo fait assez pour payer point et nous est que le monde n'a perdu tout avoir comme ça. Là cas d'incendie surtout incendie ça qui c'est un incendie que peut-être qui causait pas erreur et mon marché yo pense que il crée peine, il bay la peine mais et nous pensons que c'est ensemble qui pour repenser structure marché parce que le monde n'a l'argent à investir comme ça faut qu'il soit en sécurité et faut qu'il y ait moyen tout pour l'état tout qu'a pour responsabilité pour pompier qui venir pour faire des manches pour éteindre du feu aussi rapidement que possible parce que nous voyons que tout au alentour du marché ça gain équipe eto qui mettait là qui barre et espace là. Et même pour eux-mêmes, tout les passifs. Nous pensons que faut que nous repensions ça, faut que nous repensions comment on a fait marcher, faut que nous repensions comment on a quitté Mounio, largué pour que tu aies investi l'argent pour perdre en une journée. Marcher avec sécurité, c'est normal. Et c'est que fait qu'il y a des gens qui ont un cas d'enquête. Directeur marché en direct de CPJ, je dis, hein, chef sécurité en obligé d'aller tout. Et de façon que vous avez une explication, vous avez exactement qui fait réel du feu ça dérapé. Si au cas que c'est en main, et criminels qui causent du feu, mais moi garantis ça, moi très clair sur ça, moi garantis que l'État frappe la terre, n'a pas commencé à freiner le vagabondage. Ça. On va poursuivre avec une information triste. Enterrement ancien directeur Centre national météorologie d'Haïti, Ronald Semelfort, chanté dans l'église Saint-Pierre, dans Pétionville, samedi quitté 17 février 2018. Là. Dans l'occasion, famille, amis et collaborateurs de Feyant et Vin Ronly y ont dernier hommage. En suivant papier avec Anne-Marguerite Auguste et puis Fresnel Toussaint. C'est en présence parents, familles, amis, anciens collaborateurs et puis l'autre autorité dans le pays, funérailles Ronald Semelfort et chanté. Ancien directeur unité hydrométéologique là. Fait marquer passage li dans diverses institutions parmi yo télévision nationale d'Haïti côté li pas jam fatigué informer population an, sous conditions météorologiques yo surtout dans période cyclone. Monseigneur Pierre André Pierre qui t'a chanté funérailles là salué l'esprit dynamique patience et travail efficace que Ronald Semelfort réalisé malgré l'âge li ça pas empêché il rester dans poste li quel que soit l'heure pour informer peuple là sous protection yo doit prendre pour protéger la vie dans le moment cyclone avec la pluie, d'après Monseigneur. Ancien directeur Centre national météorologie a mouru 2 février passé après un arrêt. Il mouru dans l'âge 64 ans. Proche collaborateur lui a présenté Ronald Semelfort comme un nègre consciencieux, perspicace et un professionnel exemplaire. Et enfin, encore, on a présenté condoléances nous à tous les parents, familles, amis, collaborateurs et puis tout le monde. L'homme, ça fait la peine. N'abra poursuivre avec cérémonie inauguration yon centre vocationnel en faveur plusieurs timoun qui fête dans commune Cité Soleil week-end l'an. C'est fondation Gabriel Olwich Louis Jeune qui t'est venu à projet pour mettre centre ça dans Soleil 17 grâce à financement fondation Andrea Bocelli. Président Fondation Gabriel Olwich Louis Jeune, bat bravo pour centre conventionnel ça dans commune Cité Soleil. On suive yon extrait. L'espace ça nous créer non seulement pour nous loger timounio mais nous former tout nous ba formation dans domaine artistique, nous gain équipe football là-dedans et puis nous gon paquet activité, nous gain troupe de théâtre, nous gain troupe de danse, nous gain nous former dans domaine artistique chanter. Yo fait pet tout, yo fait bay macramé,
C'est-à-dire son local qui l'a tout pour bailler grand monde qui sans espoir. On pas qu'être grand monde qui vient dans l'âge, qui pas gain petite, qui pas gain monde citoyen dans cité là. Et bien local ça li là pour aider, pour supporter, pour bailler manger parce que les monde dans espoir, même un plat ou bien des plats manger par jour, li senti li améliorer parce que gain monde qui connait lever pour journée qui pas espoir même 5 gouttes qui petit. Ça veut dire espace ça, son espace qui crée pour monde qui pi mal yo. Mais calcul là qui s'allier, là n'a pas imaginer quantité de petit monde qui prend la ville, quantité grand monde qui qu'on déplacer là pour caïma dans pour qui juste tellement combien. Parfois gain nan yo machine qu'on frappe dans la ria. Nous t'ai estimé local ça nous capable nous capable font bagarre la donne. Et bien nous t'ai fait demande avec plusieurs monde. C'est dans le moment où nous allons jouer avec M. André Abocelli qui a fait une visite en Haïti. Et puis nous avons fait une demande de bon côté PAL. Il est venu visiter la toute petite li, madame qui est venue là. Et puis il est venu répondre avec besoin nous. Vraiment, il répond nous. Même le local là, pour le local qui est fini, il a gardé un côté dans l'espace, qui a un béton, qui a un tol. Mais il fait un grand effort par rapport avec les gens locaux là, les gens ici en TEA. Nous prenons l'actualité en sous-plan international, mais bien avant, nous prenons une dernière pause. Chaque jour dans la vie, on peut faire un choix. Mais c'est où qui peut faire choix? Un responsable organisation Bataille Vaudou fait commencer. Bravo. Organisé lundi 19 février à sous place Dessalines Chonmas, y a une cérémonie à qui on marche contre violence yodi cap fête sous vaudouisan yo. Porte-parole organisation Bravo a Mambo Marie-Jeanne expliqué marche sa fête dans l'idée pour vaudouisan yo montrer solidarité yo ak machon qui perdu marchandise yo non marché Hippolyte en suive. Avec marché qui brûlé côté que frère nous yo sœur nous yo qui t'a bon produit magique yo et yo lagé qu'on y a deux mains yo deux pieds yo pas qu'on sap et ça pour yo faire et nous-mêmes vaudouisant tout qu'on y a côté yo voyer nous à l'acheter produit magique pour nous ka faire travail pas nous qui c'est travail vaudois en un mot bavok a demandé justice à réparation pour machin yo et puis respecter vaudou en tant que tel. Et puis, nous avons une actualité en sous-plan international, j'en ai annoncé. Oxfam, ONG britannique, l'a confirmé. Roland Van Auwermeren a payé service jeunes prostituées haïtiens. Dans l'époque, il a dirigé mission Oxfam dans le pays d'Haïti. Rapport ça a révélé tout. Trois autres employés Oxfam qui impliquaient dans le dossier SILA. On suit ensemble. D'après une enquête qui sortit dans l'année 2011, ancien directeur Oxfam en Haïti a utilisé service prostitué. Directeur Oxfam en Haïti à l'époque ça qui pas de d'accord même s'il était reconnaître, il était gain rapport sexuel avec une dame sans le pas payer. Enquête ça révélé Roland Van Auwermeren te reconnaître dans l'époque ça il était gain rapport avec jeune prostitué haïtien yo tout bon vrai la Kaeli en Haïti. Toujours d'après enquête là, c'est avec l'agent Oxfam yo te payé jeune sa yo. Roland Van Auwermeren t'a travaillé dans pays après tremblement de terre, il était démissionné en après. Akize Atal travaille dans l'ONG française Action contre la faim. Rapport ça a été finalement transmis par l'autorité haïtienne qui voulu mener propre enquête par eux. Rapport a révélé tout, il y a trois autres employés qui étaient impliqués dans le dossier ça, qui étaient menacés, une collègue, les autres pour témoigner dans le cadre d'enquête interne ONG a mené. Merci Betty. Dernier point d'actualité en sous-plan international. Après fusillade. En Floride, plusieurs parents et élèves manifestaient aux États-Unis dimanche 18 février. Manifestants ont dénoncé les affaires de circulation Zamlan qui, d'après eux, la cause drame. Ils ont souhaité gagner une mobilisation nationale aux États-Unis sous question SILA. Et c'est là nous mettons un bout dans le journal pour assouer. Merci tout le monde qui t'a suivi. On va nous aller, mais rappelle quelques points qui t'ont développé là-dedans. Yon du feu éclaté à dimanche 18 février à nan marché du port en bas la ville dans zone bicentenaire. Di fait ça a causé gros dégâts d'après machin victime yo ak autorité.
Directeur départemental l'Ouest Police Nationale lance un monde qui tape soudé dans zone marché qui t'a la cause difficile li annoncé arrestation un monde dans cadre dossier ça. Commission interministérielle qui a mission pour accompagner marchands qui perdent du commerce dans le marché en fer intervenir sous ensemble disposition qu'a mettez en place pour accompagner marchands victimes yo. Même commission a participé jeudi à la conférence les lundis de la presse ministère communication organisée. 26 à 27 février Cap Vinila, Haïti a recevoir 29e réunion intersessionnelle CARICOM lan. D'après une porte-parole présidence lan Tamara Orion, question capacité pour gérer catastrophe naturelle yo ak création yon fonds spécial pour permettre pays nan zone yo répondre après catastrophe yo a discuté pendant 2 jours sa yo. Et bien, actualité en l'autre bord de l'Oxfam, ONG britannique l'ont confirmé, Roland Van Warren, t'es payé service jeune prostituée haïtien, yo, dans l'époque, l'étape dirigée, mission Oxfam en Haïti. Rapport s'il a révélé tout, 3 autres employés Oxfam qui impliquaient dans le dossier ça. Merci tout le monde qui était avec nous pour premier sorti journal là pour ce maintenant dans présentation c'était Liné là. N'a remercier toute équipe là qui était mobilisée pour te rendre possible et puis une fois encore n'a souhaité nous toutes une très bonne soirée mais tout une très bonne semaine sous télévision nationale d'Haïti. Au revoir.